Salut à tous, c'est Thomas Santatessi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur God of War Ragnarok. Alors, je tourne ça une demi-heure avant sa sortie. Oui, la vidéo a du retard, désolé, j'ai pas eu le temps de la faire avant. Mais vous l'aurez le jour même, vous en faites pas. Ça, c'est normalement, ça devrait être sorti le samedi, comme ça devrait à chaque fois. N'oubliez pas, on est en 2K 60 FPS. J'ai aussi changé un petit réglage. J'ai privilégié la qualité plutôt à la performance. Ce mur, c'est donc bien Asgard. Oui. Attends. Donc, alors attends. Donc comme dit, j'ai changé ce petit, paramètre, pardon, que j'ai mis en privilégié la qualité. On va voir ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vois une nette différence. Mais j'ai l'impression que sur le record, il n'y a pas grand chose comme différence. Vu que j'ai l'impression que le mode performance reste du 60 FPS. Oui. Alors. Ça, ça pue. Est-ce que je peux les esquiver purement et simplement ou... Non, c'est la merde. Ouais, et puis putain, il tank, hein. Ok, on va les avoir, tranquille. Hé, hey, Odin, je croyais que j'étais le bienvenu à Asgard. Hop. Allez, on lui défonce sa gueule, au moins ça sera fait. Voilà, parfait. Il y en a encore. Vas-y, grimpe. Grimpe, mec, je t'attends. Allez, voilà, lui c'est fait. Ah, mais il se met sur la gueule, j'ai l'impression, non? Hop! Allez, on monte en l'air, on lui pète sa gueule. Voilà! N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si le son comme ça, ça vous va. Ou est-ce qu'il faut que je baisse le son de ma voix? Est-ce qu'il faut que je baisse le son du jeu? N'hésitez pas à me le dire, bien évidemment, en commentaire. On n'aurait pas pu les contourner? Parce que, j'avoue, étant donné qu'il n'y a pas énormément de gens qui regardent la série, j'ai envie de continuer la série, bien sûr. Surtout qu'on va passer à 2 épisodes par semaine, machin, enfin... Vous avez vu, Plague Tale Requiem est donc terminé. Pas du tout, ils sont pas là. J'adore. Ok. Mais je commence à avoir un poil la flemme de rééquilibrer le son des cinématiques à chaque fois. Parce que oui, c'est pas le jeu hein, qui fait ça, c'est moi qui l'équilibre à chaque fois pour que les cinématiques soient un poil plus fortes que les autres moments de jeu. Et qu'on entende bien mieux les personnages quand ils parlent. Et du coup, je me dis, si j'équilibre à peu près, que ce soit le son du jeu au moment des non-cinématiques et au moment des cinématiques, enfin, au moment gameplay et au moment cinématique, bon, on verra ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez, bien évidemment. Ok. Alors, si je descends par ici, ça c'est quoi, ça? Ça pue. Oui, danger, je sais. Merci, je les vois. Quelle force! Ok. Ah bah je l'ai envoyé sur sa gueule alors. Alors. C'est pas ce que je voulais faire, mais ça marche aussi, effectivement. Je le suis bouffé. Ah mais putain, mais vas-y, tu me casses les couilles, mec. Putain, petit bâtard. Ok. Ah, c'est sans doute la pire chose que j'ai jamais faite. Mais si c'est ce qu'il faut pour changer le destin de père.
De quoi aller parler au dieu ennemi? Ouais, ça c'est clair. Qu'est-ce que je vais dire à Odin? Bonjour, je veux devenir votre apprenti, je crois. Mais ça ne veut pas dire que je suis avec vous. Non, pas dans le sens qu'on avait dit la prophétie. Oula, 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 oula. Paf. Merde. Terrible. Ok, c'est bon, je les ai. Par contre, ils explosent à chaque fois là, c'est terrible. Yit. Ah non. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Pourquoi t'es niveau 4 en plus, là-haut? Ah, sort de la zone. Merci. Ok. C'est bon. Plus sûr de l'autre côté du mur. Mais comment je vais franchir ce mur? Mimir ne le disait pas dans l'histoire de Rimtur. Si le fils du tailleur de pierre a laissé une faille, il n'en a parlé qu'à Freya. Et j'ai pas pensé à lui demander. Et au fait, où est Freya à la maison? Est-ce qu'elle habite avec nous? Pas maintenant. Concentre-toi, Loki. Ah, okay. Ouais, bon, je suppose que ça, on viendra avec Kratos. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de trucs comme ça. Ah, à moins que... Père aurait déjà brûlé tout ça avec ses lames. Et moi, qu'est-ce que je peux faire? Ah! Peut-être que la magie sigillaire de mon arc peut marcher. Qu'est dit Brock déjà? Si je pouvais propager le feu jusqu'à ses ronces... Voilà, ok, c'est bon, j'ai compris comment ça marchait. Et voilà. Très bien, donc en fait on peut totalement le récupérer, l'autre coffre. Ok. Il me faut un meilleur angle pour atteindre. Ok, alors effectivement il va me falloir un angle un peu meilleur, mais t'inquiète. Voilà, normalement ça devrait brûler les trucs et on pourrait récupérer le coffre. Parfait. Alors, saut à fragmentation, pouvoir de l'arc. Atreus décoche une flèche sigillaire chercheuse qui ricoche entre les ennemis. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Faudra essayer. Voir un peu ici. Paf! D'accord, on casse pas les bancs, c'est pas bien, on casse pas les bancs. Très bien. Très bien, très bien. Avançons! Je te suis, le Korbak, je te suis. On dirait des gens. Besoin d'aide? On dirait que... t'es perdu. Oh, j'essaie juste de me repérer. Y a pas grand chose à voir par là, à part un grand mur. Y a une porte pour traverser? Non. À moins d'être un dioise, mais je pense que tu le saurais si t'en étais un. Moi? Non, je viens de Midgard. Quoi? Sans blague. Moi aussi, je suis Skulder. Loki. Attends, vous venez... Vous venez tous de Midgard? Ouais. Le père de tout nous a sauvés de la désolation. Il nous a offert un endroit pour vivre, mais... on n'entre pas là-dedans. Impossible d'entrer en ville sans faire de magie. Toi, tu t'y connaîtrais pas par hasard? Si, un petit peu. Non, sans blague, tu peux traverser les murs? Non, pas encore. Ah. Je peux pas juste l'escalader? Quoi, ça? Sans équipement? Non, t'as pas peur de mourir? Ben, si. Enfin, regarde ça.
Mais... Odin m'attend. Attends, tu connais le père de tout ? Je suis plus ou moins son élève. Sans rire, mais qu'est-ce qui t'apprend, hein ? Je suis pas sûr. Il a d'autres élèves ? Je l'ignore. Tu vas rester longtemps ? Tu sais pas, d'accord. À présent, je vais escalader ce mur. C'est ça ? Oui, enfin. Je demande à voir. Le Zandel ? C'est gentil. Mais je dois y aller seul. Oh, mais je comptais pas grimper avec toi. Hein. Je dois peut-être la vie à Odin, mais je lui donnerai pas ma mort. Je dis pas que tu vas forcément tomber. Hein. Pas du tout. Un coffre ! Laissez-moi le looter ! C'était Huginn ? C'est Huginn qui te guide ? Qui ? Corbeau d'Odin, tu sais, Huginn et Mounir. Pas mal comme guide, mais je crois pas qu'il t'aide beaucoup pour grimper. Sans déconner. Oh, ça va, hein. Putain, il y a un chemin qui est tout tracé, les potes. Quelqu'un de bien, et j'espère sincèrement que je vais pas te voir mourir. Merci. Moi aussi. Tu sais qu'il faut pas regarder en bas, hein. J'aime bien regarder en bas. Ça me permet de voir ce que j'ai déjà accompli. Oh ouais, génial. Je peux m'en servir. Je sais, c'est ironique comme épitaphe, mais... Qu'est-ce que tu dis ? Rien, ça va. Tu t'en sors bien ? Ah si, ok, c'est là-bas. Et bah voilà, tranquille. Ça se grimpe plutôt bien ce mur-là, dis donc. Tout se passe vraiment bien. Bah voilà, en plus la caméra te met directement sur les endroits qu'il faut prendre. Tu vas y arriver, Loki ! Merci, Skulder, pourvu que t'aies raison. Hop, on arrive au burin. Parfait. Alors j'ai peut-être l'impression qu'il faut que j'augmente un peu le son du jeu. Peut-être un poil. Hop. Allez, je peux le faire. Ça va aller. Continue de grimper. Hop, allez, on grimpe tranquille. Je vais où maintenant ? Là. Hop. Dis Huginn, tu voudrais pas me raconter une histoire pour que l'ascension passe plus vite ? Non ? Oui, c'est bien ce que je pensais. Ah oh, bah tiens, dis donc. Ouah, petit bâtard ! Ouah ! Mais elle prend des dégâts ? Petit boss sur le chemin, hein, c'est toujours sympa. Voilà. Évidemment, les attaques physiques ne servent à rien. Un peu à tête chercheuse, hein, certaines flèches, mais on va dire que on n'a rien vu. Très bien, et ensuite ? Oui, ah. J'arrive. Faisons descendre cette chaîne. Ah, histoire de pouvoir passer. Puis-je ? Parfait. Faut vraiment être dans le bon sens. Je sais pas pourquoi j'entends pas ce que tu penses. Odin avait pourtant l'air de pouvoir. C'était toi dans notre cabane, pas vrai ? Toi et... Oh non ! Excusez-moi, je branche juste la manette. Ton frère, je suppose. Je prends ça pour un... Ok, tout va bien. Tout va bien, on peut continuer à jouer. Faudrait que je m'achète une deuxième manette en cas de soucis comme ça. T'en mets une à charger et... Et...
Oui. Tranquille. Le pire est sûrement derrière moi. C'est pas vraiment comme ça que ça marche un niveau. Ok. Le pire derrière, hein, bien évidemment. Vous voulez bien me laisser passer? Non? Tant pis pour vous. Ça porte chance. Hop! Voilà, ça, ça meurt. Aucun! Voilà, j'ai eu l'impression qu'il y avait une grosse aide à la visée là pendant une seconde. Ok. Attends. Ok. Non, tu feras rien du tout, mon pote. Ah, par contre, ces espèces de feux follets là où je sais pas quoi, où je sais pas trop quoi là, c'est terrible. Hein. Ok, c'est bon, on peut y aller. On peut y aller, tout va bien. Je commence à comprendre comment fonctionnent ces espèces de piliers un peu bizarres. Oui, plus haut. J'ai compris. Pas par ici, par là. Très bien. Oh, d'accord. Ah ! Les deux sont liés. Très bien. C'est quoi si je fais ça ? Oui, je comprends. Je crois. Mais il faut le faire des deux côtés. Ah oui, ok. Descendre par ici, oui, je peux descendre. Il y a du loot, ça c'est plutôt cool. Putain! Putain la vache, c'est beau. Hop! Voilà. Tiens, parfait! Ça pourrait marcher. Ah, qu'est-ce que je dois faire avec ce truc là? C'est parti. Oh, oh, petit bas de serre. Ouais. J'ai oublié des feux follets. Ah, des... Excusez-moi. Oh, il est tombé tellement loin lui. Ah, y'en a là! Bon. Bah, c'est fini. Hé, hey, toi, tu peux voler. Moi, je fais ce que je peux. Enfin, techniquement, tu pourrais te transformer en corbeau aussi, hein. Enfin. Il faut maîtriser ses pouvoirs, effectivement. Je vois plus de raccourcis. Je dois grimper un peu plus. Ou peut-être beaucoup plus. Mais j'ai déjà fait le plus dur. Ah bah. Ok. Hé, Hugin. Et si je te racontais une histoire? Il était une fois un géant nommé Loki, qui pensait qu'accepter l'invitation d'Odin à Asgard serait une bonne idée. Mais c'est pas un corbeau d'Odin? Odin a mis Loki à l'épreuve, en lui demandant d'escalader seul le mur de Rimtur. Oh. Et tu sais ce qu'a... Ah. Et tu sais ce qu'a fait Loki? Il a continué de grimper. Putain, Atreus, tu m'as fait flipper. De... Grimpe. Ses bras lui faisaient mal. Il ne sentait plus ses doigts. L'air se faisait rare. Mais Loki a continué de grimper. Lentement. Une prise après l'autre. Jusqu'au sommet du mur. Et on y est presque, hein.
Oh là, c'est dangereux là. Il faut que je monte. Allez, allez, continue. Trop tard. Faut faire demi-tour. Là, c'est clair. Hein. C'est pas possible. Des chauves-souris dans le trou. Ah super. Depuis quand il y a un trou dans le mur de rupture? Tu me diras quand tu vois l'état du truc aussi. Allez, je peux le faire. Je peux le faire. J'y suis presque. Bonjour. Bonjour. Alors, quelle partie de cet énorme mur t'a fait penser? Oh, ils doivent adorer les visiteurs. En fait, j'ai été convoqué. Par Odin. Convoqué par le père de tout. Excellent. Alors, pourquoi es-tu ici? Et non à l'intérieur? Et si nous allions lui demander? Tu as terminé? Bien. Dis-moi ce qu'Odin, père de tout, et roi des As, pourrait bien vouloir faire d'un mioche dans ton genre. Ça ne te regarde pas. Tu l'ignores toi-même, voyez-vous. Tu voudrais bien me hisser? Non, je ne crois pas. Je vais peut-être même te lâcher. Non. Oui, arrête. Je vais te lâcher. Arrête. Au revoir. Attends. Imagine la colère du père de tout en apprenant que tu as tué son invité. Loki le Jotna. Le Jotnar. Un ennemi de mon peuple. Je ne suis pas votre ennemi. Oh. J'en serai seul juge. Par ici, Loki le Jotnar. Attends, c'est le Gjallarhorn? Tu es Heimdall? À l'évidence. Profite de la magnificence d'Asgard. Peu d'étrangers se sont vus accorder ce privilège. Alors, perso, c'est en voyant ses yeux que j'en avais déduit qu'il était Heimdall, mais très bien. Mais oui! Si ce n'est pas fixé au sol, c'est que tu dois pouvoir le prendre. Voilà qui impressionnera tes hôtes. Eh, y a pas de clou dessus, moi je le prends. Non? Ça s'appelle du loot! T'es un personnage de jeu vidéo, sois cohérent! Oh, allez, pose tes questions. Comment savais-tu que j'allais en poser? C'est mon travail! Question suivante. C'est quoi ton travail? Je protège le royaume que j'aime des ennuis potentiels. Et tu me considères comme tel? Tu me connais à peine. Pourtant, je sais déjà que tu es impatient de faire tes preuves. Beaucoup trop impatient. Je devine que tu vis dans l'ombre d'une figure paternelle que tu ne pourras jamais égaler. Bien vu. Je devine également que tu es irrespectueux, impulsif et que tu te crois tout permis. Tu ne connais rien de moi. J'aide les gens. Oh! Tu serais donc ici pour aider quelqu'un? Non. Non, tu es ici pour aider nul autre que toi. Pour manipuler et mentir à quiconque pourra t'obtenir ce que tu recherches. Je sais que tu es jeune, malgré ta voix enrouée par l'ascension, mais j'ai rarement vu âme aussi perverse. Tu es le chaos dans de beaux habits d'archer. Tes lèvres s'animent et je vois des cités brûlées. Rien de bon ne sortira de ta présence à Asgard.
Toutefois, si tu es ici pour aider le père de tout et que tes intentions ne sont pas malicieuses, cela fait de nous des alliés. Gultopper, qui est-ce qui m'aime le plus? Qui est-ce qui m'aime le plus? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, c'est presque aussi impressionnant que Baldur domptant un dragon. Baldur n'avait pas à se soucier des brûlures qui lui étaient infligées. Ça, c'est pas faux. J'utilise ma tête et je les asservis à la loyale. Waouh, ce sont tous des dieux As? Quoi? Tu t'imagines que tous les As sont des dieux? Mais Skjoldr a dit que seuls les... Eh bien, si Skjoldr l'a dit, qui que cela puisse être, il en connaît manifestement plus sur les dieux As que le dieu As auquel tu t'adresses en ce moment même. Donc tu ne sais absolument rien de notre culture. Je sais Attends, plein de choses. Bâtard, Heimdall, je sais qu'un géant a bâti ce mur. Un géant aurait bâti le mur qui tient les géants à l'écart. Rimtur, fils de Tamur. Je connais toute l'histoire. Vraiment? Oh, je suis vraiment impatient que tu m'abreuves de tes contes révisionnistes sur l'histoire architecturale d'Asgard. C'est ça le palais d'Odin? Le palais? Tu penses que le père de tout aurait besoin de se glorifier tel un vulgaire chef mortel? J'imagine que non. Ceci est le grand pavillon que le père de tout a construit de ses propres mains. Désolé si tu le trouves décevant. Vois-tu, le vrai pouvoir n'a pas besoin d'être étalé à la vue de tous. Il se manifeste le moment venu. Tu es pas d'accord? Hé, soldat, voilà votre nouveau mannequin d'entraînement. Je croyais qu'on allait voir Odin. Oui, je sais, seulement tes intentions sont malicieuses. Alors je ne peux te laisser approcher. Continue. Montre-moi toutes les plus mauvaises. Joli! Incroyable! Les Yotnars avec de telles attaques! Ah! C'est avec ça que tu imagines me vaincre! C'est Tina! Assis le chien! Oh petit bâtard! Je m'attendais pas à ce qu'il fasse un truc comme ça! C'est un ennui! Devine qui prend je t'emmerde. Tu veux vraiment faire attendre Heimdall? Tu sais quoi? Je crois que oui. Oh, oui. J'en suis même certain. Oh, oh mais comment fait-il? Oh. Oh non, des flèches. C'est terrifiant. Oh, habile. Durata. Tu ne m'empêcheras pas de voir, Odin! Tu le verras! Je suis ta tombe. Hein? Ce que tu dis n'a aucun sens! Oh, ok, c'est quoi? Contre-attaque? Oh! Là, j'ai senti quelque chose! J'espère que tu es encore en réserve! C'est tout? Ok. N'as-tu que cela à me montrer, Jotun? C'est tout ce que tu sais faire? Comment as-tu survécu jusqu'ici? Waouh! Je dois bien l'admettre, Loki. Je suis profondément déçu. Tu ne devrais pas te relever. Merde. Plaise ou non, c'est l'invité d'Odin. Je t'ai senti arriver. Fais un pas de plus et tu vas le regretter amèrement. Ah oui? Et comment tu comptes t'y prendre pour m'arrêter? Regarde-moi dans les yeux. Toujours motivé. Thank you.
malade. Loki, te voilà. Je suis très honoré. Tu as donc rencontré Heimdall. Il lit les esprits pour moi. L'enfant est fourbe, père de tout. Ce jeune homme que j'ai convié est couvert de boue. Tu peux m'expliquer ? Il entend vous trahir. Oh. Est-ce vrai, Loki ? Serais-tu malhonnête ? Je te fais marcher. Bien sûr qu'il compte me trahir. Heimdall, pourquoi serait-il venu ? Il n'a aucune raison de me faire confiance, pour l'instant. Mais il se pose d'importantes questions. Et j'ai tellement de réponses à lui donner. Que fais-tu encore là ? Va-t'en. Allez, ouste. Avec joie. Et toi, va donc te laver. Mais père de tout. Oh. Siarafa, Heimdall, tu veux bien te détendre. Comptais-tu me tuer dès ton arrivée ? Tu vois ? Quoi, cette réponse ne te suffit pas ? Hors de ma vue ! Il est lourd, je sais. Très perspicace, mais il oublie parfois de réfléchir, vois-tu ? J'ai quelques petites choses à faire. Viens avec moi. Alors, comment ton père a-t-il accueilli ta décision d'accepter mon invitation ? Mieux vaut éviter de parler de mon père. À ce point. Je le comprends. Entre mon ex-femme et mon ancien serviteur contrarié, on ne lui dresse pas le portrait de moi le plus objectif. Mais toi, tu es curieux, ouvert d'esprit. C'est important. Trist, Mist, faites comme si je n'étais pas là. Pour être tout à fait franc, Loki, tu as de la chance que mon âme tienne toujours malgré l'évasion de tir. Je suppose que souffrir sa présence est une punition suffisante, n'est-ce pas ? Au moins, Mimir n'a pas perdu son sens de l'humour. Écoute, tout ça, c'est du passé. Je préfère me tourner vers l'avenir. Hé, entraînez-les, mais évitez de les tuer. Frappez au-dessous du coup, d'accord ? Est-ce ainsi que cela se passe quand je ne suis pas là ? Père de tout. Reine Knarr. Les Eneriars attendent votre bénédiction. Je suis là pour ça, n'est-ce pas ? Les Valkyries ont donc une nouvelle reine. De bons soldats, ces Eneriars. Mais ils reviennent du Valhalla un peu embrumés. Je prends soin d'eux. Je les aide à se rappeler qui ils étaient de leur vivant. C'est important, tu ne crois pas ? Cette notion d'identité, elle nous donne du sens. Munfinafen, Hofgar. Munfinafen, Gor. Munfinafen, Jana. Très bien, continuons. Ah, les livres, bien. Ils sont pour lui. J'ai cru comprendre que tu aimais lire. Ce n'est qu'une toute petite partie de ma collection personnelle. Merci. Jorgen, j'espère que ce n'est pas une odeur de champignons. Écoutez, j'apprécie votre offre. Mais je ne vois vraiment pas ce que vous attendez de moi. Pour l'instant, tu visites, Loki. Chaque chose en son temps. Attention, Carl. Mais, sauf votre respect, il faut que vous sachiez. Je viens étudier, pas vous servir. Je n'ai nul besoin d'un autre serviteur. Ce qu'il me faut, c'est quelqu'un de déterminé et de curieux qui saura prendre des initiatives. Très appétissant. Est-ce braisé ? Mais pourquoi moi ? Parce que je suis un demi-géant ? Et alors ? Thor aussi ? Erland ? Tâche de ne pas t'endormir, veux-tu ? D'accord, mais... Écoute, ne cogite pas trop. J'ai un projet qui, je pense, pourrait t'intéresser. Une formidable chance d'apprendre. Pour tous les deux. Qu'arrivera-t-il à ma famille et mes amis ? Je veux être sûr que personne ne sera blessé. Pourquoi irais-je blesser quelqu'un ? Depuis le départ, je ne fais que réclamer une trêve. Tu le sais bien. Bon, tu es là maintenant. Ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Nous sommes presque à ta chambre. Ma chambre ? Ouais, juste ici. Tu es libre d'aller et venir.
Prends ce qu'il te faut. Fouille autant que tu veux. Tu n'es pas mon prisonnier. Et par-dessus tout, je ne suis pas ton père. Père de tout, un nouveau problème requiert votre attention. Sif, tu as manqué l'accueil de notre nouvel invité. Je te présente Loki. C'est lui ? Ici. Chez nous. Formidable. Ma diplomate, est-ce que tout va bien dans le nouveau Midgard ? Les réfugiés vont bien. Le problème vient des nains. Vous savez qui est de retour ? C'est toujours cela de prix. Repose ces livres, nous avons une dernière chose à faire. D'accord. Très bien. Je suis là. Où est-il ? Qui ? Il est juste là, père de tout. Sire. Durlin, cela faisait longtemps. Qu'y a-t-il cette fois ? Aucun problème si vous cherchez à construire des pièges mortels explosifs. J'ai validé leur conception personnellement. Et cela ne date pas d'hier, par ailleurs. Viens-tu seulement de te réveiller avec l'envie soudaine de m'irriter ? Qui c'est, ce gamin ? Il est formé des tire-laines. Je vais te dire, Durlin. Tu empestes l'hydromel bon marché. Et c'est de loin ton trait le moins repoussant. Écoutez-moi bien. C'est moi, votre seule source de revenus qui vous parle. Je veux que vous sachiez que j'ai confiance en vous. Confiance en votre capacité à me fournir ces machines comme promis. Dans les temps, au prix convenu et bien sûr en toute sécurité. Les nains ne m'ont jamais déçu. Cela ne va pas changer maintenant. Si ? Bien. Alors, je parle pas du tout, mais tout ce moment, c'est très... Très bien, mon grand. C'est très cinématique. Quand tu seras prêt à te mettre au travail et à chercher des réponses, retrouve-moi dans mon bureau au bout du couloir. Je pense qu'on va y aller direct. Hein. Ah non, quoique, attendez, on va... Et commence donc par te changer. On va fouiller un peu. Bon alors, pas mal de bordel. Pas mal de bordel, il y a des boucliers, des choses, c'est bonjour, bienvenue chez les Vikings. Mais par contre, je m'attendais pas du tout, mais alors pas du tout à ça, quoi. Uniforme Az. Récupéré. Je pourrais sans doute essayer ça. C'est un peu moins sale, déjà. Joli. Hop, oh, on va tout récupérer, puis on va se changer complètement. Hein. Ok. Ah, bel équipement. Sur quoi alors... je peux travailler? On a l'arc Az qui est fabricable. On peut améliorer l'arc Jotnar. Dégâts d'état des flèches runiques nettement accru. Le renouvellement des capacités à l'arc et des invocations runiques est réduit. Arc serre augmente nettement les dégâts d'étourdissement infligés par les attaques au corps à corps et les tirs à l'arc. Écoutez, on va fabriquer l'arc Az. Voilà, on va même l'équiper tranquille. On va même l'améliorer, tu sais quoi. Parfait. Parfait, parfait. Objets spéciaux, est-ce qu'on a des choses un peu intéressantes là-dedans ou pas du tout? Amplification sigillaire, recharge runique, éliminer un ennemi avec une flèche runique en restaure immédiatement 2 pour la remplacer. Oh là là, il y a plein de choses là, c'est pas mal ça. Tous les dégâts infligés sont accrus tant que les flèches runiques sont totalement épuisées. Les flèches sigillaires infligent plus de dégâts d'état. Celle-là. Comment je l'équipe ? Bon. Ok, ressources, pierre de résurrection supérieure, on peut en fabriquer une. On va crafter ça, ça me paraît pas mal. Alors, par contre... armure.
Code de champion des Yotnar, l'uniforme Az. Parfait. Ouais, regard du tireur. Ouais, je préfère le regard du tireur, moi, pour l'instant, j'avoue. Invocation runique, on a que le bouquetin déchaîné, très bien. Bon. Très bien. Allons-y. On va voir ce que Odin nous veut. Oh ! Loki, c'est ça ? Sache que l'ironie de la situation ne m'échappe pas. C'était sa chambre, tu sais. À qui ? À mon frère. Ton frère ? Maudit. Ah ! Ton frère, c'est vrai? Je... Non, ça veut rien. Là, elle est à toi. Bienvenue. Trou de torse de tir. Ça va. Tu n'auras aucun mal à prendre sa place. Il ne manquera à personne, Loki. Crois-moi. Viens avec moi. Tu oublies ton épée. Quelqu'un va s'en occuper. Dis, okay. De quel genre d'épée il s'agit ? D'un nouveau genre. Elle est unique. Mon père me l'a offerte pour ma formation de Valkyrie. C'est pour devenir Valkyrie ? Tu as le temps d'en discuter ? Je me rendais justement à la grande salle. Mais si tu as du travail, le bureau de grand-père se trouve en bas de ces escaliers. Ouais, donc c'est ça, c'est la fille de Thor. Ce que j'avais cru comprendre. Torse d'Otir, c'est la fille de Thor. Très bien. Comment devient-on une Valkyrie ? D'abord, je m'entraîne à fond. Ensuite, j'attends que grand-père le remarque. Et là, j'espère que lui et mon père convaincront ma mère d'accepter. Tu sais, mon père et moi, on a croisé un certain nombre de Valkyries. Hein ? Quoi ? Où ? Je veux que tu me dises tout. Promets-le-moi. Je te le promets. Père, as-tu rencontré Loki ? Oh. Alors il t'a aussi impliqué dans cette histoire ? Impliqué dans quelle histoire ? Je me montre amical. C'est pas ça, la diplomatie ? Tu comprends qui il est, n'est-ce pas ? Ce qu'a fait son père. Pourquoi le veut-il ici ? Maman ! Arrête, c'est gênant. Nous en reparlerons plus tard. Ce sera bien si tu continues à dire ce genre de choses près d'elle, sombre crétin. Non, j'ai dû faire quelque chose de mal. Je vais lui offrir un présent. Très bien. Fais pas ça. Bon, Lady Sif a pas l'air de... Les mères, tu sais. Bref, tu voulais encore voir quelque chose ou il faut que tu te mettes au travail ? On va se mettre au travail, je pense. Non. Simplement. Merde, c'est par où ? C'est par là. Écoute-moi, peu importe ce que te fait faire grand-père, rappelle-toi. C'est l'occasion de faire tes preuves. C'est tout ce que peuvent souhaiter certains d'entre nous. Oh, d'accord. Je vais faire de mon mieux. Ok. Ok. Bah écoute, on va voir ce que ça donne. C'est pas du tout l'ambiance que j'attendais de Asgard, hein, par contre. Hein. C'est fou. Et pourtant, c'est juste... je sais pas, c'est génial, je trouve. À plus tard. Oui, je comprends. Oui. Me vois-tu hocher la tête et te dire oui, je comprends. Hein ? Oui. Oui, d'accord. Tu vois, là, tu ne me laisses pas parler. Non, Huguine. Je n'ai pas de problème d'audition.
Je veux que tu cesses de croasser et que tu acceptes vraiment la réponse que je vais te donner. Je ne faisais que regarder. Cette vieillerie, je l'ai depuis... Oh, bien trop longtemps. Tu as un nom ? Ingrid. Vraiment ? Ouais, pourquoi pas. Prends-la, si elle te plaît tant que ça. Je peux ? Vois cela comme un cadeau de bienvenue. Merci. Merci beaucoup. Et après, c'est moi le méchant. Viens, marchons. Y'a pas de quoi. Nouvelle arme, les potes! Insane! Tout le monde se trompe sur moi. Tu penses que la guerre m'anime? Le pouvoir? L'argent? Non, pas du tout. Tu sais ce qui m'anime? Ce que je veux vraiment? Des réponses. Tout comme toi. Vois-tu, pour les mortels, c'est simple. Quand ils se heurtent aux grandes questions de la vie, ils se tournent vers nous pour leur donner un sens. La sagesse divine. Tu parles d'une imposture. Mais nos questions à nous. Pourquoi sommes-nous ici? Pour donner aux mortels des réponses que nous n'avons pas? Non. Nous sommes plus que cela. Et j'ai quelque chose qui le prouve. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qui m'anime. Tu le sens, n'est-ce pas? On dirait... du savoir. La vérité. La vérité. Toutes les réponses. Ce que nous faisons ici. Comment changer nos destins, le sort. Arrêter le Ragnarok pour de bon. Et sauver les gens qu'on aime. Comment? J'étais un jeune dieu quand je l'ai trouvé. J'ai passé 1000 vies à l'étudier, à suivre toutes les pistes jusque dans l'impasse. À chercher et... enfin découvrir ceci. Tu vois, ils partagent la même énergie mystique. Il y a une fissure. On pourrait jeter un œil. Je ne te le conseille pas. À quoi sert le masque brisé? Reconnais-tu ces inscriptions? Ça ne vient pas des 9 royaumes. Brûlé... Obsidianis Pisa. De... terre brûlée... et flammes d'obsidienne. Et un champ de bataille jamais mené. Tu en es sûr? Car si c'est un indice, je sais ce qu'il veut dire. Ah oui, quoi? Viens, travaille avec moi. Et tu le sauras. Tu n'auras à tuer personne. Tu n'auras à trahir ni ton père, ni toi-même. Allez, je le sais, tu l'as ressenti tout comme moi. Les réponses sont ici, pour nous. Regarde, tu as traduit ce langage en un rien de temps. Mettons que j'accepte. Et après? Thor! Viens ici! Père de tout. Mais ça va pas, non? Après, eh bien, ta quête commence. Prends ça. Et ce gros tas de viande furtive. Et vois où cela te mène. Je ne peux rien vous promettre. Fadaise, amuse-toi bien. Et toi? Sois aimable avec lui, c'est compris? Spellheim? Le reste du masque est ici? Si le père de tout nous a amenés là, à ton avis, prends cette chose et fais ce qu'on te demande. Bienvenue dans la forteresse du chaudron noir. Nous sommes Billy, voici le pyro-barbare. Bon,
Où est-ce qu'on va? Comment tu veux que je sache? Le père de tout croit que tu sais ce que tu fais, alors... fais-le. Bah, super. Guidage du masque. Le masque résonne avec votre objectif et brille lorsque vous suivez le bon chemin. Trop bizarre. Okay. On dirait qu'on passe à travers ce rocher. On va m'en occuper. Avec ses bras. Ok, ok. Voyons un peu ce que Loki se voit dans ma chute. Oh, Ingrid, t'es doué. C'est beaucoup trop bien. Plutôt lent. Tu ne veux pas m'aider? Trop facile. Ok, mais du coup, c'est vraiment une deuxième cure à corps, quoi. Enfin, une deuxième... Hé, comment ça? Voilà. Où sommes-nous censés aller maintenant? Je vais regarder. Là-haut, on dirait qu'il y a un rebord qu'on peut atteindre. Si on... Trop lent. Tu ne peux pas attraper les gens comme ça? Que devais-je faire? Te jeter? Ok, putain, c'est sympa en fait. Je me suis trompé de bouton, hein. Si jamais il y a pas compris. Petit, ces choses là-haut Ces choses là-haut, quelles choses? Là! Allez, lui va mourir. Merci, Thor. Tu sais, ton père a payé le prix du sang pour ce qui est arrivé à mes fils. Mais toi, non. Pas encore. Que veux-tu dire? Plus tard. Ne faisons pas attendre le père de tout. Et à ce propos... Masque. Oui. Attends deux secondes, je récupère le loot. Voilà. Alors, masque. C'est masque, c'est par là, quoi. Hein, quoi? Il faut qu'on passe à travers ces rochers. Et tu pourrais... Oui, voilà. Imagine ce que ça ferait à des os. Tu veux qu'on parle du prix du sang? Que fais-tu des géants que t'as tués? C'était ma famille. Damur, Rungnir, ils faisaient partie des tiens. Les géants étaient le fléau des 9 royaumes. Et j'ai savouré la mort de chacun d'entre eux. Allez, changeons de sujet. Tu sais, la dernière fois qu'on est venu avec mon père, on a remporté toutes les épreuves de Surt. Tu pourrais... Ne te moque pas. Dans le cas. Ah merde, bon vas-y, ça saoule. On pourra probablement revenir plus tard. Ça c'est un gros poteau de feu. Qui va commencer à leur tabasser la gueule au truc là-bas. On a 55 minutes d'épisode, chers amis, on va pas tarder à s'arrêter, ce serait quand même ça va commencer à faire un peu long. Écoute, Maudit a laissé Thor, mais c'était mon fils. Si je ne t'ai pas encore réduit en bouillie, c'est seulement à cause de ce monde-là brisé. De toute évidence, aucun de nous ne peut réussir cette mission tout seul.
Nous voulons tous deux impressionner Odin. Je ne te demande pas de m'apprécier, mais... nous devons nous faire confiance. Juste un peu. Confiance. Allez. Trop facile. Bonne posture, mais tu manques d'agressivité. Un petit coup de main serait le bienvenu. Mais non, je te fais confiance. Ouais, d'accord. Ça y est, c'est bon, j'ai compris. Salopard. Comment ça? Ah bah oui, forcément. Oh, petit bâtard. Voilà, bah voilà, c'est bon, non? Bon, où le masque nous fait-il d'aller? Bon, là-bas, je suppose. Ouais, c'est ça. Le masque m'attire par là. Il faut trouver un moyen de descendre. Très bien. Tu sais, je ne me moquais pas de toi. Les épreuves étaient amusantes. Tu ne t'amuses jamais. Tu es tellement différent de ta fille. Elle avait l'air... Viens voir ça. J'arrive. Thor, qu'est-ce qui... Attends, la fresque de Surt. Ça va? T'es pas mort? Non, tout va bien, mais Merde, j'ai un objectif en bas. Chier. Non, je réfléchissais et... Ouais, c'est ça ton problème. Les épreuves se trouvent derrière cette falaise. Tu pourrais peut-être les passer avec nous. D'abord, on se... Mauvais ennemi, allez, mauvais ennemi. Tu peux au moins essayer. Qu'as-tu à y perdre? Essayez toujours. Aïe. Est-il déjà? Ah, le moins du monde. Oui, t'inquiète pas, je t'ai vu le géant. Un ogre? Tu as peur? Non, pas le moins du monde. Aoka. D'accord, j'ai bouffé, très bien. Hey, joli tour. Allez. Ah ouais, il y en a un deuxième. Ok. Dura atrás. D'accord, ça fait plus tellement de dégâts, j'ai l'impression, ces attaques là, c'est dommage. Je laisse Mjolnir au sol là comme ça. Putain, le fracasseur de géant, tu le laisses au sol. Et excellent. Oh, y'a de la vie là. Bon bah voilà, tout le monde est mort. Je récupère juste la vie. Hop. Parfait. Je te le laisse, hein, vas-y, fais-toi plaisir. Voilà. T'es un peu lent à la détente, je viens t'aider. Ok, ça va, c'est bon, j'ai rien dit.
Ah mais je rigolais. Le père de tout a attendu des centaines d'hivers. Un peu plus ne le tuera pas. C'est drôle. Soit. Surtout, ne bouge pas. Entendu. Je bouge pas. Et faut qu'on passe là, quoi. Ça devrait l'occuper un moment. J'espère. Allez, j'ai besoin d'un vrai défi. Ok, comment on y va ? Atteindre la fresque. Dis, Ingrid. Tu fais confiance aux As ? Je sais que je peux pas leur accorder ma confiance. Mais je dois m'assurer d'avoir la leur. Et pour ça, je dois leur faire croire qu'ils ont gagné la mienne. Oui. Ah ! Je ne voulais pas plutôt aller combattre Thor ? Aoka ! Voilà ! Et où est-ce qu'ils sortent ? Bon ? Mort ? Là. Aoka ! Mais putain, arrête de te foutre devant! Aoka! Voilà, au moins c'est bon, là ils sont morts. Alors là, ça spawnera plus. Ok. C'est bon, là je peux récupérer mon loot, je peux récupérer ma fresque, tout ça. Allez, on va récupérer la fresque et je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter, on est déjà à une heure et quelques d'épisode. Garboda. Tu sais, pour quelqu'un qui a reçu l'entraînement d'un guerrier, tu te laisses facilement surprendre. Pas du tout. Qu'est-ce que tu fais ici? N'ai-je pas le droit de visiter une fresque lorsque j'en ai envie? Tu es venu chercher la bille de Surt, hein? Peut-être. Tu es à la recherche d'autres billes de géants. Tu sais à quoi ça ressemble? À la vie entière d'un membre de notre peuple. Et peut-être un peu à un placard. Non. On dirait surtout que tu veux défier le destin. La vraie question, c'est qu'est-ce que toi, tu fais ici? J'aurais écrit mon histoire. C'est Odin qui te l'a donné? Ce n'est pas... Enfin... Oui, c'est lui, mais ce n'est pas... Je ne travaille pas avec lui. Je ne lui parlerai jamais du bois de fer, si c'est cela qui t'inquiète. Et je ne serai jamais à son service. Ce sont les mots de la prophétie, pas les miens. J'ai une bille à trouver. Tu peux m'aider si tu veux. D'accord. Mais tu es sûr de pouvoir ainsi briser les règles? Aucune prophétie ne mentionne des billes que tu récupérerais. Nos fins n'ont pas encore été écrites, pas vrai? Allez, champion. Oh, bonjour toi. Une épée douée de conscience. Une autre bille, celle de Surt. Elle ne contient pas d'âme. Alors il est toujours là, quelque part. Un jour, tu m'as parlé de l'exode des géants. Tu penses à eux, parfois? En permanence. Ils sont loin d'ici. Loin d'Odin, de Thor. Je me demande sur quelle terre ils se sont installés, quelle mer ils ont bien pu traverser. Pourquoi? Je veux les trouver. Je vais sauver mon père et ensuite, je les trouverai. Ça commence. Qui est-ce? Assurt, en tout cas. Regarde tout ce gel. Sinmara. Je crois pas avoir déjà entendu ce nom. Et voilà Surt. Oh, ce combat a dû être épique. Oui, jusqu'à ce qu'il... cesse. Ils ont juste arrêté? Oh, non, regarde. C'est qu'ils
Ils ont combattu ensemble. On dirait qu'ils sont devenus amis. Ah, de très bons amis. Est-ce qu'ils... Oui. Oui, je crois bien. Oh, eh bien... Tant mieux pour eux. Mais on dirait que leur... amour les a fait fusionner en une sorte d'énorme créature. Le Ragnarok. Et ensuite... Le Ragnarok détruit Asgard. J'ai déjà vu ça dans la fresque de Groa. Eh bien, c'était... troublant. Oh, tu te souviens du serpent dans lequel on a mis une âme ? Difficile de l'oublier. Je l'ai vu. Et... il grandit. D'ailleurs, beaucoup plus vite qu'il ne devrait. Ouais, je me doutais que ça arriverait. Ah. Je vais rester un peu là. Il serait dommage que ton ami se rende compte qu'il a oublié une géante. Bien sûr. Mais... sois prudente, s'il te plaît. Toi aussi, Loki. Bon, allons-y. Hey, Ingrid. Thor aurait été tué par... Vous pensiez vraiment pouvoir vaincre le dieu du tonnerre ? Oh. Ouais, forcément. Ok, on va rejoindre Thor et on va s'arrêter ici, chers amis. N'oubliez pas, à partir de la semaine prochaine, du coup... Tu peux monter ? Tu peux monter. Père et moi sommes venus lors de notre dernier voyage à Muspelheim. Ça me paraît une éternité aujourd'hui. Ah putain, c'est un coffre qu'on a récupéré lors du 1. Énorme ! Ah, c'est cool ce genre de petits détails, je savais pas qu'il y avait ça. Hop. Ah oui, après dans le lore on a massacré toutes les Valkyries aussi, c'est vrai, mais... Mais du coup, oui, donc on va s'arrêter ici, à partir de la semaine prochaine il y aura deux épisodes de God of War Ragnarok par semaine, évidemment. Puisque... Plactel Requiem est terminé. Je dois l'admettre. J'ai fini entouré de montagnes de cadavres. Littéralement fauché. La lave était rouge de l'océan. Grosse oreille. Génial! Tu viens m'aider maintenant? Le vainqueur de toutes ces épreuves a besoin de mon aide. T'es-tu contenté de regarder ton père? Oups! Je suis trompé. Hé! Hey, pourquoi es-tu si long? Alors? Voilà, merci. Oh, ce saloperie de cauchemar! J'ai tout tiré à côté, n'est-ce pas? Je viens de massacrer ces créatures par légion. C'était merveilleux. Et surtout qu'ils ont pas de sang, en fait. C'est des drogueurs, connard. Vous adore, ouais. Elle s'en sortirait mieux que toi. Alors moi je suis un ranger, elle ça c'est une fighter, forcément. Déjà là il y a un problème de... Il y a un problème de spell déjà. De spell, compétence. Allez, écoutez. Oh petit bâtard. Oh petit bâtard. Ok, il va me saouler, faut que je me régène un peu. Paf ! On peut l'achever en loup ? Ouais, c'est bon. Et en plus, on se régène. Oh non, mais encore, au secours ! C'est un niveau 5, quel enfer ! C'est deux niveaux 5 ? Putain, c'est deux niveaux 5. Oh, vraiment ? L'épée me permet de me régène. Énorme ! Oui bon, c'est par là, on a compris là. Thor, c'est à toi de casser ces trucs là, s'il te plaît. Si jamais... jamais un jour t'en as la motivation, n'hésite pas. Oui, non, si, peut-être. Éventuellement. Ah.
Ahsoka. Ça ne marche pas, Thor, s'il te plaît. Allô? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Thor, non, peut-être. Allô, allô, Thor? Thor, regarde, c'est par là. C'est quoi, il faut que je sois à côté de lui au moment où je le fais, c'est ça? Bah, tu me vois bien là, non? C'est moi qui suis bourré et genre on peut grimper ou une connerie comme ça, non? C'est pas ça? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Attends, peut-être qu'il faut que je récupère tout le loot. Ou alors c'est éventuellement parce que je suis mort, éventuellement, et que du coup ça a fait bugger le truc. Attendez. Sauvegarde. Et on charge. Dans le doute, on reload. Dans le doute, on reload et on verra ce que ça donne. Alors, où va-t-on? Voyons ça. Il faut qu'on franchisse cette porte, on dirait. Ah là, c'est ça. On va le laisser ouvrir. Pas impression. Bonnement divin. Écoutez, chers amis, on va. Et j'en suis un aussi. On va s'arrêter ici, chers amis. Merci à tous, en tout cas, d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. On se dit à la prochaine. On va découvrir par où est-ce qu'il faut qu'on passe. La prochaine fois, on est toujours en compagnie de Atreus et de Thor. Donc, voilà. À la semaine prochaine pour deux épisodes de God of War Ragnarok, le mercredi et le samedi. Allez, ciao tout le monde.